Eh ben le salut du love et des bisous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex MCN et le Don Alex. On se retrouve aujourd'hui pour The Eiffel Tide Hotel, le dernier épisode qu'on va tourner sur cette aventure. Installé parce que je l'avais désinstallé puisque j'ai fini le jeu de mon côté et que je vais vous montrer aujourd'hui la dernière run qu'on n'avait pas vraiment réalisée. Il s'agissait d'une run avec un personnage qu'on va découvrir dans cet épisode. Vous allez voir ça d'ores et déjà aujourd'hui. Et sachez que c'est la dernière run, ça y est, après on arrêtera l'aventure The Eiffel Tide Hotel. Je vous ai promis que j'allais faire un épisode final ou encore un épisode un peu plus tard, donc c'est pas 100% vrai puisque j'ai tourné une semaine et demie après le dernier épisode. Hein. Donc du coup on est parti. On est parti, on est parti. Alors attendez, hop, on fait un truc. C'est parti, on lance l'aventure, j'arrive sur le tas d'hôtel, la caméra va être activée, voilà évidemment que je suis là, que je suis présent, prêt avec impatience de découvrir cette dernière run qu'on va faire ensemble. Et je vais vous montrer aussi un point secret pour faire cette run. Voilà, un petit point secret que j'ai découvert de mon côté il y a de ça quelques jours quand j'avais fini le jeu, hein, quand j'ai fait le 100%. Donc voilà, on peut passer, voilà, vous connaissez l'histoire déjà. Hein. Alors, quelle va être cette dernière run? Donc, ça va être très très vite. Hein. Ça va pas durer plus de 20 minutes. Voilà, je vous le dis maintenant. Donc, on va parler avec lui. On va dire. J'ai une invitation. Et là, on va lui dire. On va lui dire. Une empreinte de pas? Plus ce que je devais lui dire. Ah non, c'est pas ça que j'aurais dû lui dire. Attendez, on va relancer une run. Comment je fais pour relancer une run? Comme ça. Je relance ma run, je suis trompé. Hop, je vais vous montrer. Non, j'ai fait continuer. Attendez. En fait, c'est pas la bonne run, je suis trompé de touche. Voilà. En fait, je vais vous montrer un petit truc secret que j'ai découvert en refaisant le jeu. Hop, c'est pas grave, parce que le jeu dure 15 minutes par run. Alors, voilà. Je vais louer une chambre. Et on va dire que je suis déjà venu ici. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, je l'ai jamais dit ça. Well, I'm afraid our rooms are not for booking. May I suggest trying a hotel? I'm sure there must be one nearby. Alors, c'est pas ça du tout. Je suis là en tant qu'invité. I'm here as a guest. It's very regular, sir. Okay. It's just that we've never had a guest here at the Altide Hotel. Là, je dois lui dire que je suis déjà venu ici. Ask the name of your host here this evening. C'est aucun d'entre eux. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de run. Allez, ça commence très très bien, David. Je ne fais pas les bonnes runs du tout. Ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. En fait, on perd du temps, c'est des runs inutiles. Alors du coup, on repart, je sonne la cloche, et je vais dire, je cherche quelqu'un. Et je vais lui dire... Je suis là en tant qu'invité. Grace Ray. Bon, tant pis, on s'en fout. C'est pas grave, le truc que je veux vous montrer, je ne sais plus comment on fait. Alors, on va parler avec cette femme. C'est comme ça qu'on a lancé cette run qu'on n'a jamais faite ensemble. Donc la run finale. Et je vais pas passer, je vais laisser les scènes importantes en découverte avec vous. Donc là, j'ai laissé cette femme discuter avec vous. I'm stuck for choice. I'm swayed towards white lace, but I wore that last... Vous vous rappelez, on l'a déjà parlé à cette femme plusieurs fois dans cette aventure, mais il va falloir qu'on l'aide. Qu'est-ce qui n'a pas changé? What didn't change? Et là, elle va dire qu'elle veut gagner un concours. They failed again to nominate me. Doom, doom, doom. Who wore it best? Ça a l'air intéressant. Exciting. Well, it's not for everybody. Voilà, et là il faut aller dans son sens parce que là il faut faire la quête
avec elle. You choose a mask and then on the swell you wear something that suits. Vous avez vu? Pendant l'apogée, on va devoir faire quelque chose. And you want to be nominated. Nobody if you're not admired. Vous en savez beaucoup. On s'en fout de la fille. Hein. On s'en fout d'Eleanor. Là, Malone, il est là pour essayer de l'aider, elle. You should be careful when choosing. How people see you is everything. And here, you can be anybody. Anybody. Chance to become those you envy and for a tide. Forget yourself entirely. People call me Dee. That's not my real name. You understand? Donc c'est elle, la Dee. Vous vous rappelez, on parlait souvent de Dee dans l'aventure, c'était elle, au final. Hardly matters when all keys go into a bowl. Am I right? Bien sûr, bien sûr. Learned that the hard way. I'm Josh. Beauty isn't the ambition, it's the tool. You may not be swayed by it, but many are. I didn't mean to. No faster way to see your name and lights. I came here to be somebody. Regarde, maintenant, on va devoir faire toutes les quêtes que vous me proposez, dit. I never focused on finding the core like everybody else. Now it seems that I've lost my own. It's always hard when you lose something. A pageant, let's say, but passion is doing whatever it takes to get it back. Okay. Am I right? Je ferai n'importe quoi. I do anything. Et voilà, mais là elle va aimer. Maybe you're the one I've been looking for. Et voilà. It would be terrible for me to ask someone to nominate me for the pageant. But if they did, you would help them in return? Maybe. Who knows how grateful I'd be. Donc il faut l'aider, vous avez compris? Voilà, donc ça c'est la run qu'on n'avait pas pu faire ensemble de notre côté, moi je l'avais fait en off, donc là on va le faire ensemble, donc c'est la dernière run hein, qui est vraiment importante. Donc là on va directement aller dans la grande salle, on va passer. Hop. Ah non, la grande salle j'ai fait, c'est le bar, je vais aller au bar, on s'en fout de la grande salle, c'est au bar. Donc on va au bar. Une fois qu'on va arriver au bar, on va continuer un peu, voilà, on va passer les scènes qui nous servent à rien, donc la rencontre avec Price, etc. On va tout passer, jusqu'à qu'on retrouve notre cher ami. Donc là, on va directement aller au bar. Donc ça, on va dire une connerie, voilà, comme ça, il va plus s'intéresser à nous. Donc là, vous connaissez ce qui se passe. Là, on teste les chambres, on s'en fout. Là, on va rencontrer Price. On va dire, que fais-tu ici? Donc là, elle va se faire expulser par le gars. Hop. Et nous, on va rencontrer qui? Ben voilà. Madame D. Allez, on va la suivre. On arrive. Last chance to enter somebody into this year's Who Wore It Best pageant. Any final nominees? You said you'd do anything. Nominate me and I'll repay the favor. We have a deal. Oui. Donc là, il faut qu'on la nomine. Tout le monde la regarde. Allez, dis-lui. Fabulous mask. Congratulations, sweetie. Donc là, elle est nominée, ça y est. Dis. Elle va dire Dee. I thought you could use his. It must
Mais comme il me dit c'est pas un prénom, ça va être compliqué. Donc là, il faut trouver le nom de la dame. I'll write D for now. But we will need a full name. Donc il faut trouver le vrai nom de D. And if I can't remember. You can't very well win without a name to place on the plaque, sweetie. Ok. Perhaps there's somebody who can help you. Oui, on va donc je vais l'aider. On va essayer de chercher le nom de D. Ok, ça on va passer, voilà. On s'en fout, on connaît l'histoire. Et là on va aller voir Dee, chercher Dee du coup. Notre ami qui est juste là-bas, et là on va aller l'aider à chercher son nom de famille, son prénom, je ne sais pas l'un ou l'autre. Dee. What happened to a rose by any other name? Am I right? They were laughing at me. That's why they never nominate me. Put a pretty little bullet in all of them. Please help me. Help me find my name so I can win. Show them all. I'll give you anything, name it. Eleanor Malone. Eleanor? Je connais. Well, that's a pretty name. Do you know of her? It won't be easy. Okay. First you'll need to find Dr. Liston, my psychiatrist. She never believed me, of course, refused to even look. But our last session, her mood changed, buttons got up even more stuff. Dee, do you know of Eleanor? And that's when I knew she'd done it. She'd found the woman who stole my name. Okay, faut trouver le nom de Dee. I don't know how it sounds, but it's true. Something to do with hands, that's all I can remember. Allez, c'est parti, les amis. Break into her room. No one will expect you, and I don't have time before the pageant. Find my name. Ouais, faut trouver son nom. Find my name. Remember, Dr. Liston. And once you're done, come and find me, room number 12, and hurry. Bien compris. Pageant starts soon. On va dans le bureau de Dr. Liston. Hey, wait. What room is Dr. Liston in? Il faut voir la liste des patients. Alors, du coup, là on peut passer parce que là on a juste à fouiller le bureau de la réception pour trouver le bureau du Dr. Liston qui se situe on ne sait pas où. On va chercher ça. Alors, le Dr. Liston est quelle chambre? Je ne me rappelle plus, hein, j'avais fait une semaine et demie. Hop, le Dr. Liston. Et situé dans la chambre number... on a 12, c'est... Voilà. Dr. Liston, c'est la number 1. Vous avez compris? Donc, il faut que j'aille dans la numéro 1. Très intéressant. Donc, on va se rendre dans la première chambre. On va récupérer la clé 12 également pour retrouver 10. Alors, est-ce que on a la clé de la chambre 1? Exactement. On a la clé de la chambre 12. On va refaire demi-tour. On va passer au premier étage pour fouiller la chambre du docteur Liston. Vous êtes prêts? Vous connaissez déjà cette chambre, on est déjà venu ici. Hein. Donc là, il va falloir juste qu'on ouvre le tiroir en bas à gauche. Où il y a la note, le document qu'on cherchait. Voilà. Dans le livre, il y a le troisième. On va aller... Ah non, c'est ici. Maintenant, on va aller dans la boîte à énigmes. On a toutes les boîtes. Alors, ça... C'est le changement, après c'est la beauté et la colère, c'est ça? Ah, c'est pas la bonne réponse. Si, bah attendez qu'il fait une connerie là, non? C'est bon. Et ça c'est la colère. Hein. Bah...
Ok, bon, je peux plus passer. Alors, on a le document sur D qu'on va regarder en tout premier. Donc, D, c'est ce document-là. Et on va le regarder ensemble. Donc, comme je peux le passer, on va le lire. D. Hop. Non, c'est quoi? On va l'écouter. On va faire ça en mode écoute. On va écouter officiellement. Donc dit veut gagner le concours de beauté, elle n'a jamais gagné le concours de beauté, enfin il, elle, ça dépend des marées, ça dépend voilà des cycles. Repercussion. Ok, assez intéressant. Docteur Aniston, on s'en fout. Mélissa, on s'en fout. Notre personnel, on s'en fout. On peut regarder vite fait hein, pour le délire. Donc là, on va sortir d'ici. Et là, du coup, il faut qu'on aille au deuxième étage pour... Ah, mince, j'y passais. Désolé. Bon, on va aller dans la chambre 12. On va aller dans la chambre 12. J'y passais trop vite. C'est ma faute. Ah, je peux pas y aller parce que... Il faut que j'aille dans la chambre number 16 quelque chose là. 16 doublons. Il y a une chambre 16 qui est en doublon, je crois. Voilà. Donc il faut que j'aille ici. Donc là, vous connaissez, il y a l'énigme du... Je sais pas si on l'a déjà fait ensemble, je me rappelle même plus si on l'a déjà fait ensemble. On va le refaire. Je crois qu'on l'avait fait quand on a été faire la quête de Jordan. Donc là, c'est mot de passe. Donc là, c'est oignon. Parce que ça fait pleurer. Yes, yes, yes. Faut ouvrir la carte. Voilà, concept de la machine. Retour. Rapport personnel. Il va falloir déverrouiller également. Ah non, c'est pas ça qui fait déverrouiller. C'est confidentiel. Donc c'est la mort. Hop. Le noyau. Tac. Hop. Ah non, c'est pas là. En fait, il faut que j'aille faire retour. Registre, et dans les récents, on a le nom de Dee. Dee qui s'appelle en vrai. Tac, on va la voir. On l'a pas? Lily, Melissa. Harry, Kayla. On n'a pas le nom de Dee là? Attendez. Dee Springfield. Non, on l'a pas ici en tout cas. Je vais fouiller un peu tous les noms. On l'a plus le nom de dire. Ah si, c'est Dahlia. Voilà, on l'a trop regardé là. Dahlia Springfield. On l'a. C'est officiel. Et on peut partir d'ici. On a tout ce qu'il faut. On a le nom de Dee. On va pouvoir finir le concours en lui donnant un nom. Attention. On va toquer à la porte. De chez Dee. Enfin, Dahlia, du coup. On va fouiller le lit. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on fouille le lit. Ah non, faut fouiller un peu tout, voilà. Et quand on va faire retour, regardez ce qui va se passer. Il va se passer une cinématique bonus qu'on n'a pas si on ne fait pas la quête de Dee. C'est-à-dire qu'il va fouiller dans ce coin-là et vous allez découvrir quelque chose d'un peu étrange. Regardez. J'ai pas envie de trop vous spoiler, donc... Un pistolet, tiens, tiens, tiens. Eh oui, il vous a dit quelque chose d'un peu étrange. Il prépare quelque chose, dire. Vous allez comprendre ça bientôt. Donc là, vous connaissez, on passe. Et là, je crois que c'est la dite départ, non?
Je crois que c'est Dim qui a fait une tenue, non? Yeah. What do you think? Bit of all right. I saw it early and I thought, yes. I'm really looking forward to taking this for a spin. Donc on s'en fout. On va parler à lui. Et là, il va se passer quelque chose. Regardez. Donc là, c'est l'histoire du concours, voilà. Vous avez vu, hein, tout le cycle du concours se déroule si on l'a bien fait dans le bon ordre. Et là, c'est l'heure du concours, donc une scène qu'on n'a jamais vue auparavant, qu'on découvre grâce à l'histoire de Dee. Donc ça, c'est une fin secondaire. Enfin, c'est une fin secondaire. C'est une fin alternative qu'on est en train de découvrir. You know the rules. No asking who they're wearing. Regardez bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous choquer à un moment donné. Je dis rien, mais regardez bien les images. Bah! Tiens, tiens, tiens! Eleanor! Qu'est-ce qu'elle fait là? Et donc là, on voit qu'il n'y a plus la dame. Et par contre, il y a Eleanor qui est là, on va se demander pourquoi. Et quand vous allez voir ce qu'elle va dire, Eleanor, vous allez être dans la réalité. Hein. Hey, Daddy. Eleanor? I thought you were the type who prefers to know. Am I right? What have you done with her? I thought you understood. Eh oui! You said you'd do anything, remember? Dee est devenue Eleanor, du coup, donc là c'est plus Eleanor, c'est Dee maintenant. I'm about to announce the winner, and I need a name. Dahlia. Otherwise you can't be considered. Hey, il faut dire Dahlia. Give him the name. I want my daughter back. Give him the name and I'll let you have her. Any way you want. Just wanted to say you look incredible in her. Never seen this suit before. I can show you a little bit more. Hey, I need a name. I would hurry. I'm starting to like the way she feels in me. How do I know? You will go. Tell him or I keep her. Speedily. Tell him. Dahlia. Dahlia. Et ben voilà. Okay, I've given you the name. Now give her back to me. I remember. And I'm happy to announce the winner of this year's Who Wore It Best pageant. Dahlia. Dahlia. Just sat there, seeing them, still feeling them. Dahlia, they've called your name. All those hands. All those hands. C'est dramatique, hein. Isn't this what you wanted? I don't care. This deal's off. No, you can't do this to her. She did it to me. Bring me the person from room 6. Bring her to me and I'll give her back to you. Là, il y a un nouveau marché qui s'est lancé. Please make your way to the stage. Ouais, bah mec, désolé, là, je crois que c'est trop tard. Je crois que Dahlia est un petit peu énervée parce qu'elle veut se venger d'un mec qui faisait des choses avec le corps de Dahlia. Parce que voilà, lui avant il était Dahlia, bref, vous comprenez que les gens sont plus eux-mêmes, qu'ils prennent le corps des uns des autres parce qu'ils changent de cycle, voilà. Vous avez compris maintenant que le mec était Dahlia avant. Et le mec, on l'avait déjà vu il y a longtemps en fait. La première scène du jeu, enfin la deuxième scène du jeu, quand on est dans les chambres, on le voit. Vous allez le reconnaître. On l'avait déjà vu, ce personnage-là. Celui qui est dans la chambre 6. Regardez-le. C'est ce monsieur-là. Well, hello there. Have we met? Exactement. I don't think so. Well, we have now. Paul. Paul Forhart, je m'en rappelle. It's an odd name, I know, but
friends say that it suits, and you are Josh. Well, hello there. Josh Malone. What can I do for you, friend? Are you staying in room 6? Oui, c'est lui. Certainly am. All alone, I'm afraid, but there are plenty of people and fun to be had here. Would you viens avec moi. Would you mind coming with me, please? Et là, il va être bizarre, il va dire, mais il est bizarre celui-là. You know, my mother used to say, c'est que je me rappelle. If someone knocks on your door, you better ask, who is it for? Is it an angel? Ou un démon? Ou un devil, voilà. Better think twice. Moi, je suis un ange. As we've just met, I'm gonna ask you. Est-ce que vous êtes un ange ou un démon? Do I wanna come with you, Josh? Et moi, la première fois, j'ai dit oui. Et je vais redire oui. Parce que j'ai une autre scène après que j'ai changé de choix par rapport à mon choix que j'avais fait au départ. Yes. Yes, you do. Well. Okie dokie. I mean, is it somewhere fun? Et on y va, mon pote. We'll find out. Ooh, tantalizing excitement. I mean, allez, on va l'amener à Eleanor, Talia, pour la scène finale du jeu, que vous verrez sur ma chaîne YouTube. Nice room you have here. Pretty thing. Can I help you? Jesus! Hey! No! Move! Tell me what's going on. Shoot. Wait, don't shoot! Move! Not until you tell me what's going on. He used me. Helena? The real me. Dahlia. You know her name? He knows more than that. He stole my name. Dahlia, he couldn't have stolen. It's true. But we have been through this. Many times ago. See? And I admitted it at the time. I confessed. I apologized. And still, you continue to... I remember. All those hands touching me. All those men grabbing me. I never wanted that. I never asked for that. Touching every part of me. Wait, you assaulted her? It was me. I was her. Saw you. Me. You used me. You let them have me. Avec la musique, elle est belle. Hein. To see anything, and you knew what would happen when you joined the tide. Your body was mine. And you ruined it. I just came here to be somebody beautiful. You were, I was, and you just didn't know what you had. Eleanor, wait, Dahlia, wait. I'm sorry. I made the wrong choice. It's a mistake. And we all do it. And aren't you doing that? What the music aime trop. Using this girl. There's a difference. You stole who I was inside. You stole me. Par contre, ça va être bizarre comme chignon avec ses cheveux là. C'est ça prend du temps à aller faire ces chignons là. I just wanted to. Before the touch, you know what that's like? How lonely that is, no one to hold you, and I just... I wanted to explore. Explorer, y'a quoi, c'est internet lui ou quoi? Internet Explorer ou quoi? Non, non. Y'a pas d'explorer, y'a pas... Wait. One pageant? Ouais, elle a déjà gagné un concours. Ouais. For what I did, I made the wrong choice. Du, 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 du. Not change that. That's for me to decide.
Do not make the same mistake that I did. Talia died because of you. I am a different man. I have changed. And do we not all deserve a second chance? Step away. Do not be like me. Allez, choix final. If you let her take me, you will lose yourself just like her. Attends, je vais vous montrer un truc avant de finir cet épisode et la dernière run. Je vais vous montrer un truc dans les histoires. Donc là, on est dans non. Voilà. Regardez. Je vous spoil un petit peu. Moi, j'ai pas laissé Dahlia se venger, mais je n'ai pas fait le deuxième choix. Et là, ça va arriver dans deux secondes, c'est pour ça que je vous le montre. Et donc là, je vais laisser Dahlia se venger. Et on va découvrir cette fin. Je m'écarte. Désolé, monsieur, j'ai envie de découvrir l'autre fin, donc je vais laisser Dahlia vous tuer, en fait. J'ai fait un choix, aussi. Et c'est quoi ton choix, mec? J'ai laissé ma fille quand elle était juste une petite fille. Consider how that decision would affect her. I have to do this for my daughter. Elle l'a buté. Oh, c'est fictif, hein, je peux pas le préciser au cas où. Moi j'ai sauvé ma fille. Elle a plus chignon dégueulasse sur ses cheveux là qu'ils ont mis une heure à faire. Après ça fait un style hein, mais moi je suis pas fan. C'est à faire bizarre pour les cheveux, non? Il est dégoûté. Et quelqu'un qui est mort, mais bon, écoute, hein. C'était pour Dahlia. Et voilà! C'était une des rares fins que j'avais pas encore vu du jeu, même si j'ai fait le 100%. Bah, ça compte pas comme l'avoir validé le 100% parce que je l'avais pas fait. Bon, écoutez, c'était la dernière run de The Little Tide Hotel. J'espère que vous avez kiffé l'aventure au complet. Hein. N'hésitez pas à aller dans la description, voir le lien pour récupérer le jeu si vous voulez vous aussi le faire à 100%. J'ai kiffé le jeu. Je l'avais fini un peu en off, hein, donc c'est normal qu'on a. Qu'on n'a pas tout vu, hein, il manque 2-3 petits trucs, mais c'est des petits trucs qui vont prendre 2 secondes à regarder, donc c'est un peu dommage. Merci à ceux qui ont suivi l'aventure de Zelda d'Hôtel. Une fois que c'est fini, là, du coup, sachez que, après, là, je vais bientôt avoir fini Zelda Tears of the Kingdom, on va attaquer un petit jeu par la suite. Donc préparez-vous-en. Merci à vous, je vous fais plein de love, plein de bisous. Dans la description, il y a tout ce qu'il faut, n'hésitez pas à les checker. Pour une fois, je vais pas offert les annonces comme d'habitude, allez checker dans la description. Allez cliquer sur la cloche de notification et l'abonnement pour le soutien, les j'aime et les commentaires pour me dire ce que vous pensez, vous, de The Little Tide Hotel. L'histoire de ce FMV qui était plutôt cool. Voilà, c'était pas incroyable, c'était pas mauvais, c'était cool. Voilà, ça reste neutre. Moi, je suis neutre, c'est-à-dire qu'il y a des jeux d'acteurs qui n'étaient pas trop fous, il y a des jeux d'acteurs qui étaient bien. Il y a des scènes qui étaient très bien, il y a des scènes que j'ai pas compris. Voilà, c'est comme dans tous les jeux. Voilà, il y a toujours des trucs que tu comprends pas et tout. C'est pour ça que je dis que le jeu était cool, mais ça reste moyen. Voilà. Merci à vous, plein de love et bisous, c'était Alex Hansen et Kilden Alex. On coupe la caméra, on coupe le micro et on se dit à très vite pour d'autres tests sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde.